Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le sixième épisode de mon Let's Play sur le jeu Mountain Blade Warband, saison 5. Et donc la dernière fois que je vous avais laissé, on avait galéré à prendre un château, et ben là on va continuer, on va leur rouler dessus, ça commence à m'énerver, on va choper encore des territoires du nord, des grandes villes, je pense qu'on va commencer par la grande ville, je crois que c'est Tyr qui nous manque, on chope Tyr, ensuite on chopera les autres châteaux qui nous manquent dans la région, et ils vont commencer à être vachement acculés de l'autre côté. Allez, ça va être cool, c'est parti. Donc voilà, j'étais à Sargotte. On va se diriger. Ah, ils vont récupérer le château. Je vais récupérer le château rapidement, hein. Hop. Ah oui, non, mais non, c'est vrai qu'il était assiégé. Ah, je suis con. Donc ça, c'est bon. On va aller du côté de Tyr, du coup. Parce que là, il y a toute l'armée qui se balade. Donc normalement, ça devrait être plutôt bon. Il devrait arrêter de me faire chier. Assiéger le bourg. C'est des échelles. C'est des échelles. Ça prend 4 heures, ça va aller vite. Menons nos soldats à l'attaque. Alors. Bon. Bon, ok, j'ai pris un point de dégâts. Le tout, c'est d'arriver le plus vite possible à monter sans se prendre trop de points de dégâts. Oula, il a comme un sacré truc dans le pied. Enfin, c'est pas dans le pied. Wow! Ils sont un peu nombreux. J'ai pas regardé combien il y avait d'unités, mais je crois qu'il y en a un petit paquet. Ah, et. Hey. Ok, de ce côté-là, c'est bon. Reste l'autre côté. Voilà, on va galérer, je pense. Où c'est vous? Ah, que c'est chiant. Ah, j'ai réussi à toucher quelqu'un et même à le tuer. Alors, ce qui est chiant, c'est que du coup, je prends des dégâts. Mais je sais pas trop d'où. Et je peux pas passer non plus. C'est vous. Voilà. Là, on est bien. Surtout qu'ils n'ont pas l'air d'avoir des grosses grosses unités. C'était un petit peu débile de pas me taper alors que. Là je fais un massacre. Chaque fois que je touche, je tue quelqu'un. Ah ouais. Ok. Ok, alors là, on est carrément chez eux, mais bon, de toute façon, s'il faut, je tombe. On se carapate. Allez, avancez. Ils sont tous mis en position pour m'attendre. Oula, 6 points de dégâts. Le mec, il a arrêté de déconner. Oula, 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 oula. Je suis bien en bas en fait. Je suis bien tombé, c'était pas une mauvaise idée. On est déjà à 123 tués, donc environ 140. On est bien. On est même très bien. Je pense que clairement ça va aller. On perd quelques unités, mais c'est pas grand-chose. De toute façon, c'est des mercenaires essentiellement. Ok. Où c'est vous? Ok. Ok, on commence vraiment à avoir. Voilà, je pense que là ça va arrêter le rip-hop. Vu le peu de personnes qui restent. Yay! Bon! Plutôt pas mal cette histoire. 4 tués. 4 tués.
Alors, question c'est ils sont où là? Un peu partout. C'est quand même triste hein, que dans la rue on soit genre que 7. Aïe! Oh, le sale 10 points de dégâts que je viens de me prendre. Et oh! Je viens de me prendre des gros dégâts là, genre 17 points. Ah, mais il en reste! Il en reste un qui va me tirer dessus, je sens. C'est pas visé. Marnie, elle a qu'un gourdin? Voilà, faudrait peut-être que je l'équipe un peu mieux. Ouais, faudrait carrément que je l'équipe un peu mieux. Parce que juste un gourdin, c'est un peu triste quand même. Allez, le château! Là aussi, ça pourrait être vraiment épique de faire une attaque de château, mais genre une vraie attaque de château et tout, avec des passages par des douves ou des trucs comme ça, des trucs un peu sneaky. Bon, alors, un. Bon, voilà. Ok, c'est bon. On va récupérer les unités comme d'habitude. On va monter à 183, je pense que ça devrait aller. Et on va poser toutes les autres unités qu'on a en trop. On va essayer de redescendre à 155, ça sera bien. Voilà. Ça me permettra d'avoir un petit peu de défense dans ce bourg. Par contre, je suis même pas sûr d'avoir à... Oui, je vais mettre des bandits des forêts en plus. Capacité des groupes atteintes. Ok, alors ça c'est bon. Pas demander de récompense. Poster une garnison. C'est parti, on fait dans le sens inverse. On va descendre à 155. Ok. Ça m'a l'air pas mal. 156, c'est bien. Non, pas l'arène, la taverne. Les pays mercenaires, tavernier, il n'y a pas grand-chose. Place du marché, marchand de biens, on va acheter de la bouffe, parce que c'est important, la bouffe, toujours. La bouffe bien diversifiée. Ok. Ça, c'est bon. Le groupe, on va un peu améliorer nos unités. Ok. Garde Sanarani, la cavalerie mercenaire. Je vais soigner, Mamelouk Saranide. Ok, les alites, tu me sers à quelque chose? Non. Tac, je t'augmente ta santé, comme ça tu resteras plus. Marnide. Marchandage, chirurgie, tactique. Ah! Chirurgie. Tactique à 9. Oh là 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 là. Marchandage, c'est con que je puisse pas l'augmenter. Il faudrait peut-être que je fasse un autre perso qui augmente. Et Borcha, ingénierie, repérage, connaissance du terrain et pistage. Alors, ingénierie, repérage, connaissance du terrain. C'est vrai que connaissance du terrain, ça peut être pas mal. Augmenter la vitesse de voyage, c'est pas mal. Alors, connaissance du terrain, ok. Ingénierie. Ça aussi, ça peut être pas mal. Ça permet d'aller plus vite. Oh, c'était bien, ça c'était bien comme level. On est bien. Bon, maintenant, château d'Urus. Château, on a combien d'unités à tir? Du coup, 27, ça suffit. On va aller au château d'Urus. On va aller au château de Schalbeck. Et ensuite, on se dirigera vers Suno et Praven. Ils sont en train de se faire défoncer. Assiéger le château. C'est quoi? C'est une tour de siège? 42 heures. Bon, bah, allez, c'est parti. Putain, ils ont récupéré le château de Curine. Allez, c'est parti. Oula. Oh, petit bug. Donc, on a un gros château à récupérer. C'est les porcs épiques encore, mes potes. Ah, oh, putain, j'aurais dû être le premier.
En plus, il me repousse. Ils veulent vraiment pas me laisser passer. Hein. J'ai dit suivez-moi, pas chargé. Bon, ok. Mais oh. C'est quand même bien retard, hein. Je sais pas combien il y a d'unités dans ce bastion. Voilà. Alors. Oula, oula, ils m'ont vu. J'ai tenté de le passer en sneaky, mais c'est pas très bien passé. What? 9 points de dégâts, toujours plus. Par contre, je suis pile sur la ligne de rip-hop. Mais putain, il s'est foutu devant moi. Ça va être encore un bastion chiant à récupérer parce qu'ils sont bien solides, les types. Aïe. Putain, il n'y a que les archers qui me défoncent l'anus, hein. Oula, 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 oula. Ok. Oh là là. J'ai... Oula. Toi, chute. Et vous, arrêtez de me tirer dessus. Vous savez pas viser. Aïe. Ah. Bon, ok, là je me planque parce que c'est un petit peu compliqué, j'ai vraiment plus de vie, j'ai pas envie de recommencer cette histoire. Combien on en a éliminé? Waouh, 120. Il devait y en avoir un sacré paquet. On va attendre encore un peu. Je vais regarder si ça ripop. Chez nous, ils en ont blessé pas mal aussi. Je sais pas si on aura besoin de renfort, peut-être. Ça a pas l'air de ripop. On doit arriver à la fin. Bon, du coup, je vais me filer, hein, je vais avancer. Bon, j'ai failli crever, mais c'était plutôt pas mal finalement. Ok, vos pertes de tués et 15 blessés, ça va, c'est tranquille. Ah. Arrêtez d'esquiver! Là, il est dans le mur. Vous en occupez? Aïe! Voilà. Est-ce qu'on peut faire qu'un doigt Skyrim et tout pousser? Ça m'étonnerait. Allez, ok. On est bien. Je vais récupérer des unités rapidement pour les poser dans le... dans le donjon, rien de bien folichon, mais ça permettra d'éviter qu'ils reprennent tout de suite le truc. Ok. On va redescendre à 156. Wow, 157, c'est très bien. Ok, ce donjon c'est fait. C'était un peu long, mais c'est fait. Là, on upgrade un petit peu mes trucs. Ok, next. Je me suis fait récupérer ce château. Ah non, ils ont récupéré le château, cool. Par contre, celui-là a été re-récupéré. Bon, ok. C'est chiant, mais voilà. On va aller chercher ce château ici. Château de Taylorg a été assiégé. Bon, voilà. Ils sont en train de gentiment récupérer les donjons là-haut. Moi, je vais récupérer celui du bout. Parce qu'une fois qu'on aura tout récupéré sur ce bout-là, on sera plutôt tranquille. Parce que si on a tout repris ici...
Bon, ouais, je peux plus mettre la carte. Une fois qu'on aura tout repris dans cette zone-là, je pense que ça va être beaucoup plus facile à tenir parce qu'il y aura plus de grandes villes. C'est un peu compliqué d'y accéder, il y a les montagnes, tout ça. Du coup, on sera plutôt pas mal au niveau stratégique. Et ensuite, on ira décaler du côté de Praven et de Sunno pour leur péter la gueule, tout simplement. Et après, je pense qu'on finira par la dernière grande ville qu'ils nous ont reprise. Et puis, on va les éclater, tout simplement. Ils doivent commencer à être un petit peu exsangues. Faudrait que je regarde le nombre de types qu'il y a dans le dans l'armée. Dans leur armée. Coucou, c'est moi. Alors, si tu pouvais. Voilà. J'ai encore pas regardé le nombre d'unités qu'il y avait, j'aurais dû faire. Ok. Alors, va falloir réagir un jour là. Je pense qu'il devait avoir un peu peur. Là-haut, ça a l'air d'être tranquille. Alors, ils sont en dessous. Oh, le roux, toi. Espèce de démon. Oula. Quoi? Pourquoi je suis passé à l'arc? Alors. Alors, pourquoi je peux pas taper? Ah mais parce qu'il est avec moi en fait. Allez, on descend. Ah, ils sont chiants à s'écaler. Ils ont zéro intelligence, soit mes adversaires ou moi, ou mes Pékins. Allez. On va avancer un petit peu. Qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il remonte? Je vais être tout seul. Bande de crétins du cul. J'ai dit cul, mais ça s'est un peu parti en cacahuète. Ok. Je sens que ça va rip-hop. J'allais. Moi, je vais m'occuper des archers en attendant. Aïe. Bon. Oula, 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 oula. Oh, yo. Ok, encore des ennemis. Quand est-ce que ça se finit là? On est déjà à 100, ouais, 120. On va bientôt y arriver. Il y avait quand même énormément d'unités dans ce truc. Oula, oula, oula. Ah la merde! Arrêtez de tirailler. Ça fait trop mal les tirailleurs, c'est débile. Hop. Ok. Il en reste quelques-uns là-bas, mais je suis complètement exsangue. Il en reste 5, dont 2 là-bas, 3. Ouais, voilà, ils sont tous là-bas, les autres. On va y aller. Le tout, c'est de pas se faire dézinguer bêtement. Ça serait un peu con. Ok. Bim! Le petit sauté là. Prah! Prah! Ok, alors la dernière ligne de défense. J'ai une mouche sur le front, c'est très chiant. Oula.
Alors par contre, les archers dans cette salle, ça doit être pas pratique du tout. Non, je vais pas me replier, je veux... Voilà, victoire. On va recruter 2-3 trucs pour les placer à l'intérieur. Hein. Facile. Ok. Ok. On est bien. Des soldats sont prêts à être premiers, on le sait. Hop. Voilà. On est plutôt bien. On est même plutôt cool. On va pouvoir rentrer, je pense, du côté de tir. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à faire dans cet épisode d'important? Parce que bon, le château là-bas, il doit être assiégé, c'est ça? Oui, assiégé. Hop. On va acheter de la bouffe qui parie pop, donc non, pas tout de suite, en fait. Peut-être du côté, aller du côté... plutôt du côté... Aller du côté de Sargotte. J'arrive plus à parler, c'est fou. Quoi? C'est tout? Ouais, non, c'est pas mal en fait. Juste que d'habitude, il y a des. C'est plus à plus de 30 000, donc j'ai l'impression que c'est plus gros. Hop. De la bonne bouffe, des trucs bien diversifiés, on est bien. On est plutôt bien. Toujours assiégé ici. Ah oui, non, mais c'est à nous maintenant. Ok, cool. On est plutôt bien. Je vais avancer du côté du château de Ribelet. Parce que c'est ce que je pense qu'on va attaquer en dès l'épisode prochain. Ribelet, on va voir combien d'unités s'il faut, on l'attaque maintenant. C'est pas quelque chose qui me fait peur. 127 plus 59. Ah oui, quand même. Ouais, non, ça fait quand même un peu de gens. Du côté de Suno, il y a du nombre, je suppose. Oui, ok, d'accord. Oula! Ouah! 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 Est-ce qu'on se lance là-dedans? 157 contre 535. Je pense qu'on peut tester. Il y a quoi? Il y a 115 guerriers nordiques. Je pense qu'on peut clairement tester. Voir la puissance de notre groupe. Si ça se trouve, ça va passer, hein. Si ça se trouve, sur un malentendu. Il y aura peut-être moyen. Je voulais regarder un petit peu d'abord les notes. Le guerrier de Kanak est toujours pas mort, qui a encore des vassaux, alors qu'il a aucun truc. Je sais pas comment ils font. Honnêtement, je sais pas du tout. Et le royaume des Nords qui commence à être un petit peu exsangué, ça. Ils ont plus beaucoup du tout de chevaliers. Et le royaume des Rodok, par contre, voilà. Donc, on est carrément bien. On est carrément super bien. Mais ce que je vous propose, c'est que dans le prochain épisode, on s'attaque au roi. Si on arrive à péter le roi, c'est super. C'est vraiment super. Je pense que c'est possible. Je pense qu'on a fait des bastons plus durs dans les saisons précédentes. Ça me paraît tendu, mais je pense que c'est carrément possible. Si on y arrive, ça serait vraiment un véritable exploit. En tout cas, on va du coup arrêter là cet épisode. Un petit peu de suspense. On se retrouve dans le prochain épisode pour cette baston mémorable. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à dans 4 jours, et puis salut à tous, portez-vous bien.